my chance. Ghosts aren't real. Only gullible people believe that kind of crap. I can't believe I'm doing this. C'est le plus ancien festival du film au monde, la Mostra de Venise, de retour pour une 81e édition. Elle s'est ouverte en fanfare mercredi soir avec le retour du Beetlejuice de Tim Burton. Et puis lui, il célèbre depuis 17 ans le cinéma francophone, le festival du film d'Angoulême dans le sud-ouest de la France, au programme 10 films en compétition, départagé par Christine Scott Thomas, la plus française des actrices anglaises. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux différentes célébrations du cinéma à travers le monde, à commencer par la Mostra de Venise, qui s'est donc ouverte mercredi soir avec la présentation hors compétition de Beetlejuice, Beetlejuice de Tim Burton. On écoute l'équipe du film sur la lagune vénitienne. Pour moi, ce film a été une sorte de retour aux choses que j'aime faire, de la manière dont j'aime le faire, avec des gens que j'aime. Je suis honorée de faire partie d'un casting aussi extraordinaire et d'entrer dans le monde de Tim Burton. J'étais tellement ravie de retrouver tout le monde. Le premier film était une telle expérience et le simple fait de pouvoir retourner ensemble était un rêve devenu réalité. La soirée d'ouverture qui a aussi brillé de mille feux grâce à l'actrice Sigourney Weaver, reine de la cérémonie. Elle a été récompensée d'un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière et vous le verrez, l'Américaine n'a pas caché son émotion lorsqu'un journaliste lui a rappelé à quel point la puissance de ses rôles au cinéma a pu inspirer les femmes, notamment Kamala Harris qui brigue la présidence des États-Unis. Écoutez. Pensez à un moment que mon travail a quelque chose à voir avec l'ascension de Kamala Harris, me rend très heureuse. Parce que c'est vrai, beaucoup de femmes viennent me voir pour me remercier. Désolée, j'ai besoin de mon shot de vodka. Les États-Unis, c'est tellement difficile depuis 2016. On doit vraiment se réjouir de Kamala Harris. Autre temps fort de la fin de l'été, le festival du film francophone d'Angoulême, rendez-vous incontournable du cinéma français à la veille de la rentrée. On part tout de suite retrouver Sonia Patricelli dans le sud-ouest de la France. Bonjour à vous Sonia, c'est un peu la rentrée du cinéma. Oui, effectivement. Bonjour Nina, bonjour à tous. Angoulême n'est pas seulement la capitale internationale de la bande dessinée, c'est aussi, comme vous l'avez dit, une ville qui vit chaque fin d'été au rythme des projections de films. Rentrée du cinéma, des cinémas devrait-on dire, parce que c'est un festival qui célèbre la francophonie. On peut y voir des films québécois, suisses, marocains et évidemment français. Alors, il a vu le jour grâce à la passion de ses deux fondateurs, Dominique Besnéard et Marie-France Brière. Et puis, c'est un festival qui a donné le ton, qui a lancé des films qui sont devenus extrêmement populaires dans le cinéma français. On peut penser à Intouchables, Les Garçons et Guillaume à table ou encore Petit Paysan. Le festival Sonia met à l'honneur les films d'aujourd'hui mais aussi de demain. On le voit, hein, d'année en année, Angoulême agit comme un baromètre des succès à venir. Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs un très bon film qui a ouvert le festival. Le film Les Barbares de la réalisatrice Julie Delpy. C'est une comédie sur le ton de la satire sur un sujet qui n'est pas évident, celui de l'immigration. Et on découvre donc l'arrivée d'une famille syrienne dans un village breton. Sandrine Kiberlin y joue une femme féroce, Laurent Lafitte, un homme qui aurait préféré arriver voir une famille ukrainienne. Et on va justement, Sonia, écouter une partie du casting de ce film et surtout découvrir la bande-annonce. Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés. Excusez-moi, il faut que je vous parle. C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, mais il n'y en a plus. En fait, ce sont des Syriens. Des Syriens qui viennent d'Ukraine? Non, non, de Syrie. Je voulais un sujet, voilà, d'aller directement dans le sujet, de pas que ce soit un film qui prend des pincettes.
Voilà, mais en même temps avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour aussi. Je pense que voilà, c'est pas un film haineux sur les personnages, quels qu'ils soient. Anne et Philippe ont décidé de vous offrir des produits d'ici. Oui, enfin, il y aura des produits qui seront un peu périmés d'une ou deux journées, mais c'est très bon. Moi, je mange que ça. Voilà. On passe du rire aux larmes parce qu'on est, voilà, on est touché par les uns, scandalisé par les autres. Elle évite pas de dire les choses, mais elle sait en rire. Donc c'est la force du. C'est la force du film, je trouve. Le racisme, c'est les gens qui n'aiment pas les Noirs. Mon père, il aime bien Mbappé ou Marcy. Le racisme, ça vient de la peur. Bonjour. La peur qu'on leur prenne leurs femmes. Pourquoi tu fais coucou, toi ? Quoi ? Avec un sujet pareil, ce qui aurait été dommage, c'est que le film soit un peu donneur de leçons, qu'il se mette absolument du bon côté et qu'il fasse un peu la morale aux méchants français ou aux méchants bretons qui refusent d'accueillir qui que ce soit. Et heureusement, le film est beaucoup plus nuancé que ça. Il faut défendre notre identité régionale, l'âme bretonne. Mais t'es alsacien. Le film Les Barbares en salle donc le 18 septembre prochain. Et le festival Sonia a débuté avec une soirée d'avance avec un hommage à l'acteur disparu Alain Delon. Oui, sur la scène du cinéma CGR, l'actrice Nathalie Baye a rendu hommage lundi soir à cet immense acteur disparu le 18 août dernier à l'âge de 88 ans. Alain Delon, un acteur à la filmographie flamboyante qu'elle a décrit comme un personnage assez sombre mais en même temps très attachant. Ils avaient joué ensemble, tourné dans le film de Bertrand Blier, Notre Histoire, film qui avait valu à Alain Delon le seul César de sa carrière pour meilleur acteur. C'était en 1985. Je demandais justement à Dominique Besnéard s'il pensait qu'Alain Delon avait été un ambassadeur du cinéma français à l'étranger. Je vous propose de l'écouter. Non, moi je dis que ce n'était pas l'ambassadeur du cinéma français, c'était peut-être l'acteur le plus connu dans le monde, mais il était trop solitaire, trop inquiet, trop peut-être un peu sur lui-même pour partager son amour il aimait le cinéma, mais pour arriver à le propager partout, en parler partout, Jeanne Moreau était comme ça, elle adorait aller dans les festivals, dans le monde entier, pour parler du cinéma. Catherine Deneuve est comme ça, Isabelle Huppert est comme ça. Delon, je pense pas. Il était content quand les films français marchent, mais il n'y avait pas le côté VRP du cinéma. Et on va revenir à la compétition, Sonia, avec, je vous le disais, la plus française des actrices anglaises qui préside le jury. Oui, la reine Christine Scott Thomas, on a pu la rencontrer. D'ailleurs, vous allez l'entendre dans quelques instants. Mais avant cela, un mot de la compétition. Les organisateurs ont vu 109 films, 10 sont en compétition, parmi lesquels Le procès du chien, film franco-suisse, premier film de l'actrice Laetitia Deutsch, un film assez loufoque. Et puis, ils ont aussi retenu le film Rabia, l'histoire d'une jeune Française partie en Syrie rejoindre Daesh. C'est un film de la réalisatrice Mareike Engelhardt. Je vous propose de découvrir un extrait de ce film qui sortira à l'automne dans les salles françaises. Le jury est totalement paritaire avec 4 hommes et 4 femmes, chargés donc de départager les 10 films en compétition et avec à sa tête la plus française des actrices britanniques, Christine Scott Thomas, qui nous a tant fait rire dans Les Cyclades ou tant ému dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux avec Robert Redford. Après de nombreuses années passées en France, elle est retournée vivre récemment en Angleterre. C'est ce qu'elle m'expliquait dans cette interview. Je vous propose de l'écouter, retour aux sources pour cette francophile qui veut chérir et défendre la francophonie. C'est un cinéma libre, c'est un cinéma qui raconte la vie des gens, qui raconte des rêves, enfin qui est très 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 varié. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chance. Par rapport au cinéma anglo-saxon, par rapport aux grandes plateformes ? Oui, je pense, oui. En quoi ? Les sujets, la façon de représenter les gens, voilà.
C'est aussi, Sonia, l'une des images fortes de ce festival, celle du drapeau marocain qui a été déployé sur le fronton de l'hôtel de ville d'Angoulême. L'édition 2024 rend hommage à son dynamisme, je cite, d'une puissance extraordinaire, selon Dominique Besnard. Oui, et une grande rétrospective est consacrée ici au cinéma marocain, alliant classique et films d'aujourd'hui. On peut y voir par exemple Rock the Casbah de Leila Marakchi avec son fameux casting 5 étoiles, et puis de nombreux films du réalisateur Nabil Ayouch et de la cinéaste Mariam Touzani, notamment Le Bleu du Caftan ou encore Adam. J'ai interviewé d'ailleurs au festival Mariam Touzani parce qu'elle est également membre du jury ici. Et elle m'expliquait la très belle vitalité de ce cinéma marocain. C'est un cinéma qui s'est fait sa place ces dernières années, qui traverse les frontières, qui porte justement d'autres récits, d'autres histoires qu'on ne connaît pas forcément. Donc je pense que oui. Et puis il y a ces liens qui se créent, des liens qui existaient déjà avant avec les pays francophones aussi, avec la France, toutes ces coproductions justement qui font aussi en sorte que certains films puissent exister. Et moi, je crois que c'est une très belle rencontre. Qui évolue, qui grandit, qui s'enrichit. Voilà, le jury donc présidé par Christine Scott Thomas remettra ses Valois, ses prix, dimanche soir ici à Angoulême. Sonia Patricelli depuis le Festival du film francophone d'Angoulême avec Natacha Milleret. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces belles rencontres. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se quitte avec des images d'un thriller présenté là aussi en avant-première à Angoulême. Drone de Simon Bouisson, l'histoire d'une femme épiée par une machine perverse. Je vous laisse avec la bande-annonce et je vous dis à très vite. Il doit faire environ 50 cm d'envergure. J'ai jamais vu une machine comme ça, moi. Je suis votre allié, pas votre ennemi. Si ça vole, c'est qu'il y a quelqu'un qui pilote. Franchement, si t'entends pas un drone, c'est qu'il est dans ta tête. Il faut que ça s'arrête. Explique-moi. Je ne veux pas, en fait, c'est ça. Pourquoi tu m'en fous tout le temps?